Monsieur le prix Nobel de la littérature 2000, monsieur le directeur de la recherche au CERN, et s'il est déjà là, mais même s'il n'est pas là, on l'accueille par procuration parce qu'il va arriver, monsieur le représentant de la Commission européenne, mesdames et messieurs, chers collègues, je ne vais pas parler très longtemps, rassurez-vous, il y a beaucoup de choses intéressantes qui vont se dérouler ce soir. Mais d'abord, je voulais d'abord vous dire que j'étais extrêmement honorée de vous accueillir ce soir à l'Université de Genève et très heureuse de vous accueillir tous. Je ne dirai donc que deux mots pour affirmer que je suis absolument convaincue qu'une alliance et un dialogue entre les sciences, la littérature, la poésie, la musique, en bref, toute création artistique. Cette alliance et son dialogue sont non seulement féconds, mais à mes yeux tout à fait essentiels. Ce dialogue nous permet de dessiner les contours d'une réalité qui nous entoure, de peut-être un peu mieux comprendre et rendre la subtilité des reliefs de la réalité qui nous traverse. C'est probablement, et je parle pour le monde occidental, probablement seulement d'ailleurs, c'est au cours du XIXe siècle qu'on a un peu perdu cette familiarité quasi naturelle entre les arts et les sciences et qu'on a même proscrit l'idée de l'interdépendance entre la raison et l'imagination. En tout cas, d'un point de vue institutionnel et collectif, et si je précise du point de vue institutionnel et collectif, c'est quand on a la chance, comme moi, d'avoir travaillé pendant beaucoup d'années sur les journaux intimes entre le XVIIIe et le XXe siècle, sur les correspondances, on s'aperçoit que ces deux facultés de l'esprit, donc l'imagination et la raison, sont très vivantes et surtout cohabitent dans une forme de nécessité. Et je pense qu'il est temps de réinstitutionnaliser cette familiarité, évidemment quand c'est pertinent et évidemment quand il y a rencontre de deux personnes ou de deux ou plusieurs consciences. L'imagination ne s'oppose en rien à la rationalité. Mais soyons très attentifs à ce que la rationalisation n'étouffe pas la créativité. Et c'est la raison pour laquelle je suis vraiment très reconnaissante aux organisateurs de cette soirée de nous avoir conviés ici. Je vous remercie. Je parle dans quel micro ? Ça, c'est bon ? D'accord. Alors, mesdames, messieurs, puisque les salutations protocolaires ont été faites, donc je ne vais pas les refaire, je remercie beaucoup Micheline, la vice-rectrice, pour le message très important qu'elle a fait passer. C'était la personne idoine pour commencer cette soirée, étant donné son parcours, donc professeur de sciences humaines dans une faculté de médecine. Ça résume assez bien l'esprit de ce soir. C'est un très grand honneur pour nous d'accueillir ce soir Gao Xingjian, donc le prix Nobel de littérature 2000. Gao Xingjian a reçu ce prix pour le compte de la France, puisqu'il avait un passeport français à l'époque, mais c'était le premier prix Nobel de littérature d'expression chinoise, ce qui est en soi un paradoxe, étant donné l'importance de la littérature chinoise, y compris au XXe siècle. Comme le dit Gao Xingjian lui-même, il a eu plusieurs vies. Il a accédé à la notoriété dans les années 1980 en Chine, surtout comme dramaturge et comme traducteur. C'est une de ces personnes qui, dans les années 80, ont contribué à introduire en Chine un certain nombre d'idées nouvelles, notamment dans le domaine littéraire, dans le domaine artistique, après la césure de la révolution culturelle, durant laquelle la Chine s'était très largement fermée aux influences étrangères. Je mentionne une pièce qui est extrêmement célèbre, Arrêt de bus, qui est publiée en 1983. D'autres pièces, dont certaines, ont immédiatement suscité la polémique en Chine, voire été interdites. Gao Xingjian s'est installé en France en 1988, où il est resté après les événements de Tiananmen. Gao Xingjian n'assume pas l'étiquette de dissident. Il revendique l'indépendance de la littérature, le droit de l'écrivain à aborder tous les thèmes et surtout les plus importants. Et ça suffit parfois à ne pas plaire au pouvoir politique. Gao Xingjian a été pendant longtemps persona non grata en Chine populaire.
Cependant, il est très reconnu ailleurs dans le monde chinois, je pense notamment à Taïwan et à Hong Kong. En Chine même, aujourd'hui, la situation est un peu contrastée. Pendant longtemps, son nom était quasiment absent. On ne pouvait pas acheter ses œuvres en librairie. Aujourd'hui, on trouve des choses qui sont écrites sur lui, parfois de manière tout à fait équilibrée. J'ai consulté encore hier une encyclopédie chinoise qui est extrêmement connue, un Baidu. Il y a un article sur Gao Xingjian qui est tout à fait équitable, je trouve. Enfin, vous le lirez, puis vous me direz. Dans les années 1990, Gao Xingjian a produit deux œuvres fondamentales que je vous recommande. Elles sont traduites, elles sont bien traduites. La Montagne de l'âme en 1990 et Le livre d'un homme seul en 1999. Outre donc, des pièces de théâtre, son œuvre de traducteur, ses romans, Gao Xingjian est également l'auteur de nouvelles, d'essais, de poésie. Il est encore metteur en scène et il est peintre, comme vous venez de le voir. C'est une peinture qui est absolument, à mon sens, magnifique, remarquable, qui mélange de façon nuancée, presque magique, abstraction et figuration. En première apparence, pour un spectateur occidental, elle peut aussi donner l'impression qu'elle mélange la tradition chinoise avec une modernité, celle de l'art abstrait, des techniques traditionnelles de la peinture chinoise, avec le modernisme dans la composition et dans les formes. En réalité, ce mélange entre abstraction et figurisme, même si il n'est pas forcément décrit comme ça en Chine ancienne, il existe déjà. Vous avez déjà, depuis en tout cas la dynastie Song, des tableaux qui présentent des thèmes relativement abstraits. De toute façon, je pense que la peinture de Gao Xingjian ne peut absolument pas s'expliquer par la tradition chinoise. C'est une tradition qui est nourrie par son génie propre. L'œuvre de Gao Xingjian est donc une œuvre multiforme, sans répétition, comme c'est souligné par le célèbre écrivain taïwanais Dong Qiao. C'est un artiste total. C'est vraiment un privilège pour nous de l'avoir ce soir. Et donc je le remercie particulièrement, ainsi que le CERN et tous les organismes qui ont permis la possibilité de cette soirée. Je remercie aussi les services internes à l'Université de Genève, les hommes de l'ombre, comme quelqu'un vient de me le dire, et les femmes de l'ombre aussi. Elles sont souvent plus nombreuses que les hommes dans ce type d'événement. Un petit mot sur l'événement de ce soir, qui s'inscrit dans le contexte de Pop Science Poetry, qui est un projet du CERN, financé par la Commission européenne, qui vise à traduire des contenus scientifiques en poésie et en art. C'est une idée que je trouve à la fois originale et fascinante, surtout peut-être la partie poétique. Il y a peut-être plus de liens entre l'art et la science qu'entre la poésie et la science. La recherche que fait le CERN, même si elle est évidemment à la pointe de ce qui se fait en matière de recherche scientifique, a, à mon sens, également quelque chose de poétique, puisqu'elle fait rêver. En tout cas, moi, elle me fait rêver. Il y a plusieurs productions dans le cadre de ce projet, donc notamment celle d'un livre, d'un e-book, avec des poèmes et des dessins de Gao Xingjian. Également des ateliers, des groupes de travail, avec des poètes, des poétesses, qui ont été initiés à des contenus scientifiques d'actualité sous la supervision de tuteurs scientifiques. C'est quelque chose que j'aurais vraiment voulu voir et j'espère qu'il y aura des questions là-dessus tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y avait des chercheurs expérimentaux et théoriciens du CERN qui essayaient d'expliquer ce qu'ils faisaient à ces poétesses et puis qu'ensuite, elles ont écrit des poèmes sur le thème de la lumière, qui est donc le thème, puisque cette année est l'année internationale de la lumière. Donc les poèmes produits dans le cadre ou à la suite de ces ateliers donneront lieu à des lectures tout à l'heure de la part des poétesses. Et la personne qui supervisera cette personne est Madame Catherine Bossart, qui est donc la secrétaire internationale du BPW, Business and Professional Women Association. Elle est également la représentante de cette association auprès des Nations Unies. Je l'accueille d'autant plus chaleureusement que c'est une ancienne professeure d'histoire de l'Université de Fribourg, qui est maintenant à la retraite. Elle vous présentera en deux mots tout à l'heure son association.
Puisque j'en suis aux présentations, je présente également l'autre grand intervenant de la soirée, le professeur Sergio Bertolucci, d'origine italienne, qui a fait ses études notamment à Pise. Beaucoup de recherches dans le domaine des particules fondamentales à Hambourg, à Chicago, en Italie. Il a joué un rôle très important dans la mise en place d'accélérateurs de particules, également d'expériences sur les particules fondamentales. Il est membre de nombreux groupes d'expertise européens et autres dans son domaine. Et puis donc, comme l'a dit la vice-rectrice, il est directeur de recherche au CERN. Voilà. En ce qui concerne donc le déroulé de la soirée, je vais maintenant faire monter Gao Xingdian sur la scène. Voilà. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est un exercice auquel je ne suis pas accoutumé, donc vous m'excuserez un tout petit peu si... J'avais préparé un certain nombre de questions pour Gao Xingdian. Je lui ai soumis la liste tout à l'heure. Il en a rayé trois, donc il y en a trois que je ne poserai pas parce qu'elles étaient, à son avis, un petit peu trop difficiles. La première question que j'ai envie de lui poser, c'est une question qui est toute simple. À savoir, qu'est-ce qu'il pense de ce projet de dialogue, donc de ce projet dont on vient de parler, entre poésie et art d'une part, science d'autre part au CERN. Qu'est-ce que ça lui a apporté? Quelle réflexion ça lui a inspiré? Je suis venu hier, depuis hier. Il y a pas mal de rencontres avec ces scientifiques très pointus. Cela m'a beaucoup, beaucoup, comme dit-on, nourri et fascinant, cette discussion, échange, dialogue. Oui, c'est... On entend ? Ça va ? Oui ? Oui, ça c'est mieux. Et surtout ces 40 dernières années, depuis mon enfance, même depuis ma jeunesse, je m'intéresse à la physique, voilà, je m'intéresse à la science. Mais c'est les nouvelles découvertes scientifiques ces 40 dernières années. Énorme, vraiment, ça, c'est incroyable. Je suis fasciné. Et surtout, ces jours-ci, les dialogues, les discussions avec eux, et cela m'a beaucoup, comment dit-on, affirmé et aussi et m'inspiré et m'encourage, m'exciter à, comment dit-on, à aller encore plus loin avec eux. Pourquoi? Et je pense, ça c'est comme le thème, on a bien marqué, c'est la réalité humaine et la science. Je pense qu'il y a quelque chose, il paraît, c'est très différent, voilà, la science et l'art ou bien la littérature. Mais pour moi, l'art et la littérature, qu'est-ce qu'on cherche? C'est aussi une recherche. Ce n'est pas une répétition, ce n'est pas copier un genre artistique ou bien littéraire. Non, c'est toujours une recherche. Cherche quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Pour moi, personnellement, je préconise une littérature ou un art au plus près du réel. Ça veut dire, qu'est-ce que dit ce réel-là? Ici, ça peut être dit réalité, mais dans mon vocabulaire, mes essais esthétiques sur l'art et sur la littérature, plutôt, je préfère le mot le réel. Parce que ce n'est pas cette société, actualité de la société.
Voilà. Bien sûr, y compris cette actualité de la société, y compris la vie quotidienne des êtres humains. Mais il y a encore quelque chose, comme dans la science, il y a l'autre côté pratiquement peut-être invisible. Mais ça existe. C'est comme dans l'ombre, comme le noir, ce grand trou noir dans l'univers. Mais on m'a confirmé, les scientifiques, il y a quelque chose qui existe. Et il n'y a pas de vide. Voilà. Ça ne se voit pas, c'est parce qu'on n'a pas de moyens de les voir. On n'est pas encore arrivé à les percevoir. Mais ça existe. Et chez nous, la vie des êtres humains, il y a la vie quotidienne, ça se voit. La société, ça se voit. Voilà. La politique, ça se voit. Mais il y a quelque chose qui est encore plus profond. Ça ne se voit pas, la conscience humaine. Ça ne se voit pas. Mais ça existe. Ça existe depuis toujours, depuis l'Antiquité, depuis la naissance des êtres humains. Voilà. Ça existe toujours. Et ça évolue comme la science. Voilà. Cette connaissance, cette conscience humaine, ça évolue. Voilà. Ça, c'est la connaissance de la nature, la connaissance de la société, la connaissance aussi de la nature humaine, de nous-mêmes, de soi-même, aussi de chaque individu. Si la littérature est l'art qui nous apporte quelque chose, je pense, cette connaissance, cette conscience humaine, c'est toujours une recherche au plus près du réel. C'est pourquoi ça se trouve. C'est deux disciplines, mais au fond, ça, c'est la même recherche, voilà, pour les êtres humains. Et ce côté-là, la science avance tellement vite. Mais malheureusement, la science humaine, c'est la crise de pensée, je pense, actuellement. Voilà. D'ailleurs, j'ai déjà écrit pas mal là-dessus. Je pense, par rapport avec la science, on est très, très en retard. Là, vous avez bien indiqué, d'une part, certains parallélismes, et puis d'autre part, ce que la science vous a apporté, ce que ces recherches vous ont apporté, ce que cet événement vous apporte. Mais à l'inverse, est-ce que vous avez l'impression que vous, que ce soit en tant que littéraire, en tant que peintre, vous pouvez apporter quelque chose aux scientifiques, à ceux qui vous ont, que vous avez fréquenté ces jours ? Malgré la crise des sciences humaines dont vous venez de parler. Ça, c'est pour la réalisation artistique ou bien littéraire, parce qu'on n'a pas besoin de tester comme la science. La science, on ne peut pas simplement, avec son imagination, voilà, son talent, sa pensée libre. Non, il faut tester, il faut l'appui par les moyens tout à fait techniques, les plus sophistiqués, pour appuyer cette hypothèse. Voilà. C'est autre chose. Ça, c'est tout à fait une autre méthode. Voilà. Une autre façon de travailler. Mais pour l'artiste, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de tester. Voilà. Lui, il travaille tout seul. Il travaille avec son imagination, avec son indépendance de la pensée. Voilà. Et bien sûr, aussi, c'est ce qui est compte le plus important, cette conscience, cette connaissance des êtres humains, de la société, y compris cette connaissance de soi-même. Voilà. Si on, Sartre a bien dit, l'autre, c'est l'enfer, mais je pense qu'il n'a pas suffisamment dit. Si on n'en est pas conscient de soi-même, ce soi aussi, ça peut être l'enfer. Voilà. Souvent, les malheurs, les catastrophes, ça vient aussi de soi-même, voilà, de l'individu. Voilà, à nos jours, je pense, si je fais une critique de la science humaine actuelle, voilà, je pense on n'en est pas assez conscient de ça. Voilà. Et bon, ça c'est. Mais la littérature, l'art doit apporter ces sujets-là. C'est pourquoi ça c'est. Je me lance dans la création artistique, bien sûr, c'est pas n'importe quoi. Je dois
plutôt, ça c'est d'abord ce que je fais, il faut d'abord, je suis touché, je suis convaincu. Voilà. Si je suis convaincu, je suis touché, je pense, parce que les êtres humains, c'est pareil. C'est sûrement, ça peut être senti, voilà, éprouvé, il y a la réaction des autres. Cela dépassait les frontières de pays. L'art dépassait les frontières. L'art dépassait une culture. Parce que toutes les cultures humaines, c'est communicable. Parce que ça basé sur les expériences humaines, cette conscience humaine. Ça dépasse les langues, c'est traduisible. Voilà. Ça peut s'exprimer par différentes langues. Chaque langue a sa particularité, a sa grammaire tout à fait particulière, et sa façon d'expression particulière. Mais derrière cette sensation humaine, cette connaissance, cette conscience humaine, c'est communicable, parce que tout le monde est être humain. Dans ce cas-là, si ce que je fais, ça me touche, forcément, mes expériences, ça peut être communicable avec les autres. Par exemple, la montagne de l'âme, j'écris en Chine à ce temps-là, j'ai eu déjà beaucoup de problèmes. Chaque fois, c'est une pièce montée, ou bien mon livre est sorti, ça devient un cible d'attaque. Alors, je dois, même avec autocensure, c'est déjà comme ça. Alors, moi, je me disais, je dois au moins écrire un livre pour moi-même, sans penser à être publié de mon vivant. C'était la conception de mon roman, La montagne de l'âme. Voilà, c'est dans cette situation, j'ai commencé à écrire. Maintenant, ce livre a traduit en 40 langues. Il y a large public dans le monde, et ça, c'est communicable. C'est bien lu, c'est bien compris, c'est bien. Voilà, il y a une réaction très très vive, même avec le temps. C'est déjà la publication, c'est déjà presque 30 ans passé. Mais toujours, on parle, on lit. Voilà. Ça, c'est le rôle de la littérature, le rôle de l'artiste, de l'écrivain. Je vous pose une question sur votre peinture. J'interprète, et puis j'interprète peut-être mal, mais l'impression que vous me donne votre peinture, que j'aime beaucoup, c'est que les passages entre ce qui est figuré et puis ce qui est abstrait sont à la fois ténus. À un moment donné, on a l'impression de voir quelque chose qui relève vraiment de l'abstrait, à un autre moment, qui est vraiment du figuratif. Est-ce que vous avez l'impression que la peinture abstraite, donc les parties les plus abstraites de votre peinture, peuvent parfois en dire plus que les parties qui sont plus figuratives, et notamment par rapport à des vérités fondamentales ou à des explications fondamentales, telles que celles qui peuvent être explorées au CERN, mais aussi en sciences humaines de façon plus générale. Est-ce que l'art abstrait permet de capter peut-être mieux parfois que l'art figuratif l'essence des choses ? Oui, c'est une bonne question. Oui. Et on a déjà l'histoire de l'art, il y a déjà plus de plusieurs mille ans, mais même ça c'est depuis les comment dit-on, ça c'est les fresques paléolithiques, ça c'est déjà au moins plus de 30 mille ans, la figuration, il y a longue histoire. Et l'abstraction, c'est très récent. Ce sont au début du XXe siècle, ça commence cette vague de l'abstraction. Mais c'est déjà aussi 100 ans, plus de 100 ans, voilà, cette abstraction. Alors, qu'est-ce qu'il y a, quelque chose encore peut-on faire? Ça, c'est, je me pose voilà, cette problématique, la question pour mes recherches de la création picturale plasticienne. J'ai beaucoup critiqué l'art contemporain, dit-on, voilà, parce que c'est très codifié. On dit, voilà, ça, tout concept, ça devient un art. Bon, ça peut être un genre de l'art, mais ce n'est pas ma voie. Et la figuration derrière moi, quand la première fois je suis allé à Louvre, et après l'année prochaine,
en Italie. Là, on a vu tous les musées, tous les grands chefs-d'œuvre. Je faisais à ce temps-là la peinture à l'huile depuis mon enfance, devant ces vrais chefs-d'œuvre que je n'ai jamais vus en Chine. Si on trouve, c'était des impressions de très mauvaise qualité. Ce n'est pas comparable. Face à ces chefs-d'œuvre-là, je me disais, ce n'est pas la peine. Ma peinture à l'huile, il faut arrêter, chercher ma voix. Cette figuration, voilà, ce patrimoine tellement riche. Et l'abstraction, déjà aussi un siècle. Il y en a plein, plein de peintres, voilà, et tout genre de recherches. Si moi je suis encore là, leur pas, je pense que ce n'est plus non plus un appel. Voilà, qu'est-ce que je peux faire, quelque chose, je pense. C'est comme les scientifiques. Voilà. Les scientifiques, ils ont, je pense, c'est comme le créateur artistique, il ne veut pas répéter les choses qu'on a déjà vues, sinon ce n'est pas la découverte. Alors, à part l'abstraction et figuration, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Je trouve, entre les deux, entre l'abstraction et figuration, il y a un vaste champ à explorer. On est trop simple. Fait cette dualité, cette opposition l'un à l'autre. Voilà, ni l'un ni l'autre. Mais ni l'un ni l'autre, entre les deux, il y a un vaste champ, un espace. C'est comme les matières invisibles dans l'univers. Mais ça existe. Toutes ces possibilités-là. Voilà. Et on peut créer. On peut découvrir. Si on y arrive à trouver une... pour l'artiste, une esthétique qui te permet de s'exprimer, bien s'exprimer ce que vous allez chercher. Dans ce cas-là, je trouve entre les deux, il y a petite, encore une autre voie, je trouve ma voie, c'est évocation. C'est la figuration, c'est plutôt la représentation d'un objet, d'un personnage, voilà, ça c'est... Et l'abstraction, c'est plutôt une expression, voilà, d'une émotion, d'un sentiment, d'une idée. Et entre les expressions et la représentation, il y a tant encore d'autres esthétiques, je trouve, tout à fait, évocation. Dans le rêve, c'est flou, mais il y a l'image, voilà. Ça existe, cette vision-là intérieure. Tout le monde a des rêves. Alors, tout le monde a ces visions intérieures. Ça, c'est éphémère, ça change tout le temps. Si c'est vraiment figuratif ou non, non, c'est une impression. Voilà. Voilà. On a déjà des bons peintres impressionnistes. Mais à part de leur recherche, qu'est-ce qu'il y a? Peut-on faire? Moi, je trouve ma voix, c'est évocation. Et encore quelque chose de plus subtil, suggestion. Si on crée quelque chose, une image, une vision qui n'est pas tellement figurative, définie, si en détail, mais qui peut faire rêver, pas seulement au peintre lui-même, aussi, parce que pour celui qui regarde, chacun a ses propres expériences visuelles. Voilà, ça peut évoquer multiples choses. Voilà. Chacun peut interpréter à sa façon. Ce n'est pas la peine de l'artiste définir aussi, voilà, aussi détaillé comme hyper-réaliste. Voilà, ce n'est pas la peine. Ça, c'est la photographie. Voilà, ça, il y a l'autre voie de création picturale. Ça, c'est ce que je cherche. Vous avez mentionné tout à l'heure que vous êtes allé dans des musées quand vous êtes arrivé en Europe. C'est vrai que la peinture chinoise, en majorité, disons la peinture lettrée, c'est une peinture qu'on appelle monochrome, c'est-à-dire avec des variétés de gris, de noir, etc. Donc en chinois, on dit que c'est une peinture fade, mais fade pas dans un sens négatif, dan. Quelle a été votre impression en voyant ces peintures, alors pour le coup, parfois extrêmement colorées, parfois peuvent presque blesser l'œil, sur des tableaux immenses, dans des salles immenses.
dans certains musées, je pense à des peintures de la fin du Moyen-Âge ou bien de la Renaissance, avec des corps nus, roses, parfois assez gras, alors que le nu n'est pas du tout présent dans la peinture chinoise. Quelle a été votre première réaction? Vous avez dit que les reproductions que vous avez en Chine étaient de mauvaise qualité, puis là, tout d'un coup, vous vous retrouvez face à des œuvres en taille réelle. Moi, je commence la peinture dès mon enfance, je dessine, et puis très tôt, j'ai un vrai peintre pour le dessin. Voilà, c'est un vrai peintre, d'ailleurs nationalement connu, il a eu des prix nationaux. C'est un peintre à l'occidental, c'est le peintre de la peinture à l'huile. Bon, je suis fasciné par son travail. Et puis, en cachette, j'achète matière, l'huile, je commence à faire mes peintures à l'huile depuis mon enfance. C'est pourquoi la couleur, je me suis habitué, voilà. Et je connais, il faut dire, je connais assez bien l'histoire de l'art occidental. Les nus, chez nous, il y a aussi des albums, mais c'est mal imprimé. Mais quand même, ça, c'est pas quelque chose inouï pour moi. Ça, c'est, même quand j'étais adolescent, j'ai déjà peint des corps nus, parce que c'est la peinture occidentale. Voilà, ce n'est pas une chose découverte. Mais cette qualité, cette expression de ces grands maîtres devant les vrais chefs-d'œuvre. Parce que la peinture à l'huile a été introduite par les prêtres italiens d'abord. C'était le 19e siècle. Et il y a des peintres, prêtres italiens, peindre les portraits des empereurs, impératrices. Voilà, c'est pourquoi les Chinois commencent à savoir, à connaître cette peinture à l'huile. Et aussi, il a ce genre de prêtre peintre italien et formé les premiers peintres chinois. Voilà. Mais en Chine, en fait, c'était l'histoire de la peinture à l'huile, c'est très, très court. Il n'y a pas de chef-d'œuvre. À mon avis, hein. Ça, je suis un peu exigeant. À mon regard, il n'y a pas de vrai peintre qui mérite d'être vraiment, à mon avis, le prendre comme un grand maître. Ouais. Et dans ce cas-là, ça, c'est un côté. C'est pourquoi ça, c'est. Et d'un coup, je trouve les vrais chefs-d'œuvre face à moi. Ça, c'est. Je suis incapable à ce niveau-là. L'autre côté, ça c'est, je connais bien la peinture traditionnelle chinoise de l'encre. Et parce que c'est tellement connu, oui, parce que c'est partout, c'est dans la vie partout. Même on utilise l'éventail, n'importe quoi, tissu, toutes les images. C'est pas fascinant pour moi. Voilà. Et d'ailleurs, je dois avouer, je n'ai pas appris la peinture à l'encre. Mais bien sûr, comme tous les enfants, on a appris à écrire avec le pinceau. Et la peinture chinoise de l'encre, ça vient de pinceau, de la calligraphie. Voilà. Ça vient de la calligraphie. On utilise le pinceau, voilà, et puis aussi on dessine, c'est comme on fait la calligraphie, voilà, c'est les grands maîtres de l'encre de Chine depuis la dynastie des Tang. Maintenant on ne voit plus l'œuvre originale, ce qu'on peut rester encore, mais ça vient de la calligraphie, c'est pas la peinture à l'occidental, non. Et d'ailleurs, ces peintres-là, ça c'est, il n'y a pas la notion de la lumière. Parce que c'est la calligraphie, on dessine, c'est les lignes qui parlent. Ça ne m'intéresse pas. Parce que j'ai commencé déjà la peinture à l'huile, ça c'est la surface, la lumière, c'est la base de la peinture à l'occidentale. Si je retourne à l'encre, c'est d'abord ce choc
quand j'ai vu les deux années successives en Occident, j'ai vu les vrais chefs-d'œuvre. Voilà, je dois arrêter ma peinture à l'huile. Mais qu'est-ce que je dois faire? Si je reviens à cette tradition chinoise, je m'ennuie immédiatement. Ouais. Ça ne m'excite pas. Je vous trouve un petit peu sévère avec la peinture chinoise. C'est une autre tradition. Il y a quand même de la lumière dans la peinture chinoise. Oui, parce qu'il n'y a pas de lumière. C'est l'autre connaissance à sa disposition de l'espace. On laisse l'espace respirer, aussi souvent avec la poésie. Voilà. C'est une autre disposition de l'espace. Voilà. C'est pas comme c'est pas l'espace, c'est comme la peinture occidentale. Ça, c'est toujours il y a un fond, au fond il y a une vue, perspective. Non, la peinture chinoise, il n'y a pas de perspective. Il n'y a pas non plus cette notion de la lumière. C'est plutôt noir et blanc, et l'espace. Bien sûr, on parle de la nuance, de l'encre. Voilà, on dit l'encre d'abord, c'est la connaissance pour un jeune apprenti de la peinture de l'encre, il faut d'abord savoir distinguer au moins cinq tons différents. Voilà, c'est pas tout simplement noir et blanc. Mais mes expériences avec les palettes, cinq, c'est trop peu. Le couleur de rouge, il y a des dizaines. Voilà, de noir, de bleu, voilà, de vert. C'est multiple, voilà. Alors, ça, 5, ça suffit pas. C'est pour cette nuance, j'ai introduit dans mon encre. Voilà. C'est ce qui est différent de ce qu'on fait traditionnellement dans l'encre de Chine. L'autre chose, puisque ça, c'est la lumière de la peinture, c'est un langage tellement riche. Alors, comment introduire cette notion de lumière dans l'encre? Moi, je pense, avant moi, on n'a pas fait l'encre. Voilà. Voilà. Les tableaux, tout à l'heure, on a montré. Voilà, ça, c'est presque très proche de la lumière scientifique. Voilà. Voilà, c'est parce que c'est lumière. Lui-même, ce n'est pas l'image, lui-même qui est un sujet, qui parle. Voilà. Voilà, cette recherche de la lumière, ça me fascine aussi. Voilà. Voilà, j'ai introduit ça. Cette notion de lumière dans mon encre. Voilà. Et avec cette esthétique, évocation, suggestion, voilà, je trouve ma voix qui est loin de cette tradition. Mais bien sûr, derrière l'encre, il y a déjà plusieurs milliers d'années. Cette matière-là, ça résiste au temps. Oui. Et aussi les papiers artisanaux, c'est magnifique cette matière-là. Ouais. Mais ça, c'est avec mes expériences, mes recherches, avec ce papier-là, avec ces outils tout à fait traditionnels, qu'est-ce qu'on peut faire sur ce que voilà, j'ai réussi à faire maintenant. Ouais. Et pas seulement sur ces matières tout à fait traditionnelles. Et après, depuis que je me suis installé en France, je trouve ça, il faut encore trouver d'autres matières, c'est sur le doile. Parce que dans les grands musées, si le papier artisanal, alors on ne peut pas faire de grands formats. Si on est un peintre, on a une ambition d'être un peintre bien exposé dans les musées, il faut trouver d'autres matières. C'est pourquoi à ce temps-là, j'ai commencé à faire l'encre sur le doile. Voilà. Mais c'est aussi une recherche. Peut-être une dernière question, parce que je n'ai pas trop... Rapide ? Oui. Je n'ai pas du tout regardé le temps. Donc, on a bien compris que vous aviez, à un moment donné, ressenti le besoin de faire autre chose que de l'art traditionnel. Je sais, chinois, donc, je sais aussi qu'à plusieurs reprises, vous avez dit que vous n'aviez pas d'intérêt particulier pour la culture chinoise ancienne par rapport à la culture occidentale, par exemple. Est-ce que vous reconnaissez quand même une influence de certains
peintres chinois anciens. Je ne parle pas de la technique, mais des peintres ou des thèmes ou certaines choses, ou bien c'est vraiment ce que vous faites, c'est vraiment autre chose. Oui, j'adore certains peintres chinois, bien sûr. Par exemple, dans le livre Le Mandat de l'âme, il y a tout un chapitre consacré à un peintre. Ça, c'est, je pense, avant moi, il n'y a pas eu de critique chinois de l'art qui a aussi apprécié son travail. Mais moi, je trouve tout à fait extraordinaire. Il est hors des courants, hors des codes. Voilà. Et aussi, ça c'est pour la culture chinoise. Si je fais quelque chose, dis donc, alors, inspiré par cette patrimoine chinoise, mais c'est pas lié, c'est pas une culture liée au pouvoir. Ça veut dire, c'est pas une culture orthodoxe. Voilà. Ça, c'est toujours quelque chose qui est hors, voilà, au-delà de l'influence d'un pouvoir impérial ou bien un pouvoir politique. Voilà, c'est pourquoi dans mes livres, dans mes recherches, je m'intéresse énormément à redécouvrir cette richesse patrimoine qui n'est pas falsifiée, réécrite et codifiée par un pouvoir politique. Dans ce cas-là, je peux vous citer un autre exemple. J'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle, qui porte le même titre, c'est La Bible des monts et des mers. Ça, c'est un des plus anciens livres antiques qui subsiste encore aujourd'hui. C'est au moins, on ne sait pas la date de naissance, au moins c'est 7e siècle avant Jésus-Christ, le livre existe déjà. Voilà. Mais après, il y a multiples recherches, annotations, mais jamais personne a pensé dans ce livre-là, on peut le prendre comme la géographie, comme ça c'est comme les plantes, médecine, et des monstres, des animaux, des oiseaux. Voilà. C'est plutôt un recueil des livres des sorciers dans l'Antiquité. Voilà. Avant, à ce temps-là, il n'y a même pas lettré, il n'y a pas intellectuel. C'était déjà trop, trop ancien. Mais derrière, de longues histoires, voilà, les lettrés chinois n'ont pas pensé à faire une recherche à part de notation. Voilà, à notation. À part d'une réécriture, voilà, une nouvelle interprétation, c'est l'origine de ce livre-là. Moi, je m'intéresse. Voilà. Et j'ai écrit finalement une pièce voilà, qui porte le même titre, c'est déjà monté et traduit en français, publié en français et aussi en anglais, il y a aussi en d'autres langues. Ça, c'est, j'ai fait une tentation, voilà, une grande ambition même, pour restituer cette mythologie chinoise perdue. Il ne reste dans ce livre-là des bribes. Je fais un travail comme archéologue. Je n'invente rien du tout. Il n'y a rien de mon invention. Toutes les matières, je dois, telles quelles, au moins c'est avant 3 siècles avant Jésus-Christ, voilà, les matières que j'utilise, pas seulement ce livre-là, mais principalement ce livre-là. Alors, pour restituer cette mythologie chinoise perdue, voilà. Je pense maintenant, si, pourquoi ça? Parce que ça fait rêver la mythologie grecque. Mais toute race, nationalité, nation, à l'origine, il y a son épopée. Sa mythologie, mais c'est perdu. Voilà. J'ai fait un grand travail, ma contribution pour ce patrimoine chinois. Merci beaucoup. Voilà, on arrive donc au terme de cette partie. Donc on va pouvoir se reposer un petit moment. Et puis donc c'est le professeur Bertolucci qui enchaîne avec sa partie. Merci.
Almost everything has been done, already have been said. It's difficult for me, except for telling you that I'm extremely pleased just to be here, and I'm also excited just to be here. I had the fortune just to meet Professor Gao yesterday with a lot of young people. Could you pass? Yes. Sorry, I will speak in English because this is a serious meeting, and if I speak in French, it will easily become something different, okay? I was fascinated because I saw yesterday, for the first time, the paintings, it is remarkable how they can inspire people who are distant, because they handle the same concept. We all do in science, in arts, we try just to do a narration of the universe at different scales, at different levels, a different level of complexity. And I will try just to tell you that the easiest part is the one of the scientist. The thing which fascinated me is that in this narration that we are trying just to do of the universe, this narration is with us since language started, because we wanted just to communicate our absolute amazement of the fact that nature could be understood, made sense, which is incredible and is not for granted. It could have been different. So we can give a sense to the things. And of course, physicists are smart. So they took the easy part. That's why they call us elementary particles, huh? because it's easier. Huh? And it's a thing that it has just to do with the narration of why the universe works like it is, what is basic concept which we are taking for granted. What is space? What is time? Are there only four dimensions? Are there more than four dimensions? Are we the only universe, or we are one of the 10 to the 500 possible universes in the world? And all the narration, as Professor Gao was saying, are remarkably the same across all the mythologies, all the histories. Everything starts with light. Let there be light is our narration. The light is in all the narration of the Maya, of the Aztec, the Chinese, of the Mesopotam. And then there is this interaction of light with the lack of light or with darkness. You know that is a common thing that now, after the discovery of the Higgs, which again is in itself an incredible achievement of the human intellect, we are looking for dark matter. Dark matter is an embarrassment that we have, big embarrassment. And there is another one, which is an even bigger one, which is called dark energy. So the people who have found this name, they are smart, because the dark energy looks nice. Might make no sense, but it looks nice. But the funny thing is that, after thousands of years of this trying just to give a sense of what this thing that we are looking at since ages. People, so first thing you do in the evening, if you don't have pollution, you look at the sky. It's incredible. And you say, well, all that, why? What is the sense? And we thought that we had a very good grasp on that, because we had a beautiful theory. It's called the standard model. We try just to be a bit we like just to do understatement. We call it standard model. It's a full-fledged theory which respects quantum mechanics and special relativity. But then we discovered, not very long ago, that this explains only 4% of what is out there.
And you can understand that, whereas on one side is good because it means that we are not employed on the short time, is an embarrassment because it tells us that we are missing something which is very fundamental. And not only that, as was clearly said, because the importance of darkness as a balance of what you can see lie is very important, because this universe would not be here, we'd not be here just to talking about this beautiful thing, if there would not be dark matter. Because dark matter is responsible, the fact that the galaxies has formed in these ways, because they interact with us. We don't see it, but we know that it's there, because we see that they interact gravitationally with we don't know what it's made of. And go back to the paintings. Go back to the paintings. And, you know, there is dark, there is white, and there is the thing which is in the middle, which is not dark and not light. It's shadow. It's like our life. Is life is not white, is not totally black. I mean, so there are exceptions. It's, in a sense, something which essentially tells us that what we are comes always with a principle of symmetry and a breaking of the symmetry and the mix of things which looks opposite. So, in this sense, it's beautiful, but I notice one thing, because, again, I need just to look at this thing many times, every time I learn something. There were beautiful description, you know, from this painting, and you superimpose it with one of the beautiful picture of the Hubble telescope and things like that, you will find similarity. There is something which is original. How the universe organizes, where there is matter, where there is no matter, the universe is, on average, is empty. Is empty of a sort of strange type of emptiness, which is the vacuum. Vacuum is not empty. This is the thing that we have discovered. How comes? And this is a thing which has fascinated me, because the darkest figure you can find in his thing are the figures of the people. And it is nice and it made me reflect, because, you know, we are a strange type of fluctuation. Life can only exist if in some place of the universe the density of matter is 30 order of magnitude bigger than the average density in the universe. You need a billion of a billion of a billion of a billion time and another factor 10,000 in order just to be here, which is not a common thing in the universe. The other thing is that inside this billion of a billion, then you have a thing, and you have strange objects, which we call humans, which have 100 billion neurons here in the brain, which is a nice thing. I mean, say it's technology, no? You know, it's miniaturization, efficiency. You can go on, you know, a computer is really a machine of 10,000 years ago. You need just to plug it. With a bar of chocolate, especially if it's a Swiss, you can work an entire night. So our brain is incredibly efficient. But the problem is that these 100 billion neurons, which are not very much different from the one of a mosquito, there are a couple of order of magnitude, but it's not the problem, have given us another thing which you cannot even quantify. They've given us consciousness. And there is where science and art, which have the same way of looking at things, starting just say, well, I think that you're doing the easy part of the job. Because we have nature. Science has nature. So we can imagine, we have simple rules. We interrogate nature. Beauty is there. And we have ideas. We have prejudices. We have paradigms. We call them paradigms or theories. And from time to time, from a gigantic effort, which is done by
by all the mankind, there is one guy, the troublemaker, who comes out in the room and says, listen, did you ever consider this thing? And this breaks the paradigm. Let me take some time. Usually the paradigm is broken by funerals. No? There is a famous epistemologist who was saying things like that. But this brings us to a different level of looking at that. But we have a very fair judge on that. We interrogate nature, and nature says, nice try, but no cigars. And says, it doesn't work like that, because you interrogate it, and it doesn't work. Our theory can be falsified. For an artist who has just to interrogate what is 100 billion euros, which have produced a consciousness, could produce, is a gigantic and heroic work. Because he has just to pull something from inside himself, take it out from something which is midway between consciousness and subconsciousness, and make it in such a way that it can become a general message. This is fantastic. So in a sense, science is unavoidable. If Einstein would not have done relativity, in number of years, since there were a number of things around it, somebody else would have done it. There was no way out. If Beethoven or Master Gao does this thing, nobody will do it. This is the main difference, which puts us in a full admiration of what they are doing, and we are humble on that, and we are trying just to get, how are these people so courageous, they can constantly dig inside themselves. So, in a sense now, we have, after a very successful campaign with the LHC, which brought us to the discovery of the Higgs boson, you know, you see the last part. LHC is a thing that started conceptually in the mid of the 80s, and it took the dedication of thousands of people just to build it, let it work. But first of building it, imagine it. Because all the experiments that can be done have been done already. So when you do the next thing, you are not granted for a success, but you have just to do something that nobody has done. And we did it with a gigantic orchestra work, led by a number of conductors. One is over there. But at the end, you are doing that because we want just to pull out of the orchestra the soloist, the guy who comes and says, you never heard this thing played in this way. And this only because we think that the basic value of the what we are doing is just to have a better narration, which will allow us just to give value to the thing and just to separate value from the price. So it is the basis of why we are doing it. So at the end, we have discovered the Higgs. The Higgs is a beautiful thing, you know. Around you, now, in this moment, we can prove, and nobody can tell us, that there is a field which was not there all the time in the universe. It happened 100 billionth of a second after the Big Bang. No? Before, all the particles had no mass. There was only light. And so the universe could not form, because without mass, you don't do atoms. You don't do atoms, you don't do stars, you don't do galaxies, you don't do these strange people were walking around in this small piece of dust in a small galaxy, not even at the center of it. And this thing is fantastic, because by discovering this particle, we have discovered a mechanism which has established itself was the breaking of a symmetry. Again, a universe which was totally symmetric was a dead universe. The breaking of the symmetry has brought in the diversity and the fact that we are here.
And this field is around us, because otherwise, if the field would not be with us, your electron could have any mass, which in some cases, like in my case, if I'm lucky, could result in having less weight. But in general, would make life and interaction very, very difficult. But this is only the beginning of this story, because now, increasing the energy, we have increased enormously the capability to maybe find this constituent of dark matter by reproducing what was the universe at very near the Big Bang, where most of the thing happened, where the universe was doing all the thing which made the universe like it is now, have happened in the first fraction of a fraction of a fraction of the second of his life. And all what is a beautiful narration. And we hope that we can complete it. So it's what we are doing now. But at the end, what is the value of all what we are doing in this moment is that we think that bringing humanism, the new form of humanism, in which essentially we go away from the one dimension where essentially technology, the rapidity of the times, and we try just to reflect on the fact that, I mean, we can understand the basic thing of nature, we enjoy art, we enjoy music, but the important thing is that we try just to develop and make value of one of the few things. You know, science, arts are among the few peace language mankind has invented, and we should be really using it. Thank you very much. Mesdames et messieurs, on revient de l'Olympe, la science, à terre, on peut dire. Et puis, Monsieur Tufret m'avait avant prié de vite introduire ce que c'était cet acronyme BPW, The Business and Professional Women, and what they are doing. The Business and Professional Women have been founded in 1930, and who wonders here? Ils ont été fondés ici à Genève en 1930 par une Américaine, avocate, Lena Madison Phillips. On a à peu près 33 000 membres partout dans le monde, dans 90 pays, qui s'impliquent dans l'avancement des femmes, en fait, au point de vue juridique, au point de vue économique, au point de vue artistique. Et ce n'est pas un club-service comme on en a d'autres, mais c'est effectivement, on essaye de soutenir les femmes à acquérir les buts, entre autres, par l'action de Equal Pay. Les femmes gagnent en général quand même encore presque un tiers ou 20% moins que les hommes. On n'a pas assez de femmes dans les conseils d'administration. Alors on fait tout pour les avancer, pour l'avancement des femmes, en les entraînant aussi comment lire les bilans, etc. Alors ce sont des exemples. J'aimerais bien aussi dans ce cadre saluer notre présidente du comité international agriculture de notre association, Madame Pinella Bombacci de Livorno, qui est parmi nous et qui nous a aidés à collaborer pour mettre ensemble cette soirée. Alors c'est avec grand plaisir. Puis maintenant, si vous permettez, je vais changer en anglais. Vous avez vu peut-être, moi je vis à Fribourg et puis je vis une partie de ma vie aux États-Unis. Alors ça va très vite et puis quelquefois je réalise que je parle dans d'autres langues que je devrais. Alors excusez-moi. J'aimerais bien présenter toutes les poétesses, mais surtout une qui a pas pu être parmi nous ce soir. Il s'agit de Gwyneth Lewis.
She was national poet and of Wales in the 2005 to 2006 and was the first one to have been given this laureateship. She wrote the bilingual words on the frontage of the Wales Millennium Centre in 6-foot-high stained glass windows, rumoured to be the biggest poem in the world. She's an award-winning poet in both Welsh and English and has published 8 books of poetry. The latest, Sparrow Tree, which was published in 2011, won the Roland Mathias Poetry Award. In 2010, Gwyneth was awarded a Society of Authors Coleman Daly Award for a distinguished body of work. In fall 2014, Gwyneth was a Bain-Swigert visiting lecturer of poetry and English at Princeton University. Unfortunately, Gwyneth cannot be among us tonight due to a loss of a precious person in her family. So I will try to read one of her poems. It's titled Antimatter Factory. Which shall I choose? A ring of layered time or corset, its strings undone, sexy but dark pearl in a storm? No, earrings. Two isinglass panes held in 3 silver rings, hooks cool in my flesh for now. The mica glitters, pleasantly subtle for your ocular pleasure. Me, I love when I turn my face towards you. That tug of inertia, the feel of cold pendulum kisses against my neck as mass longs for matter. Thank you so much. En français. Et puis je parle de, j'aimerais bien vous présenter Deborah D'Agostino. Elle vient de Rome, où elle a vécu pendant les 20 années en passé. Et puis elle a, entre autres, présenté et organisé des événements culturels. Elle est de profession, elle est avocate encore, et a fondé l'association Growing Together en 1997. Elle est un membre de notre association, parmi d'autres, et a été impliquée avec BPW Italy, et entre autres, elle fait partie de ce comité que Madame Bombacci préside. Deborah D'Agostino a maintes publications, entre autres Gabbiani d'Asfalto, Seagulls of Asphalt, or Spezza le Catene, Breaks the Chains, which was published in 2007. She has published many poems, and I would like to come her to the j'aimerais bien vous demandez de venir au podium et puis de nous lire un de vos poèmes. Merci beaucoup. Big Bang. Dal fuoco primigenio, quello di innumerevoli vulcani esplodenti in ogni direzione, generati lo spazio, il tempo, ciò che siamo stati. Fermarsi a ponderare l'originaria rottura della simmetria, come spesso accade tra innamorati. Fermarsi a ponderare come tutto sia complementare nell'universo, il ritmo degli alberi nel bosco, alternanza di pieno e vuoto, l'ispirare e l'espirare, l'andare e il ritornare delle onde, le pause e le note, e ciò che è complementare si annichila, chi non ama, luce e buio, materia e antimateria, per lasciare una parte soltanto, l'altra soccombente. Può ipotizzare che questa non sia mai stata creata,
o ancora sia sparita, fuggendo oltre il nostro orizzonte degli eventi. Sapere solamente che ciò che resta in questa vita è tutto ciò che conosciamo e luce. Paradosso della notte buia, paradosso di Olbers. Inchiostro mare nelle notti di luna nuova. Abbandonata a suo stare, mi sovviene del cosmo, impossibile parlare. E questa schiuma di mare che sembra rotolare su se stessa, comparo alle galassie che si espandono senza sembrare. E ripenso al buio della notte e dell'anima, incomprensibili, alla ferinità nell'umanità, al paradosso di luci innumeri che sono buio profondo e a quanto diversa appare da questo mare denso e oscuro la spiaggia nella calura della mattina. In natura ogni nostro pregiudizio, smentito dai fatti, diviene paradosso. Siamo fatti d'ombra e di luce. Et maintenant, nous arrivons à notre troisième poétesse, Susanna Stefan. Elle est née en Allemagne, en Aix-la-Chapelle, pas Aix-en-Provence. Et ses parents étaient originairement de l'Allemagne de l'Est et sont arrivés en Allemagne dans les années 60. Elle a étudié l'histoire, littérature allemande et français à Tübingen, Constance, Hambourg et Paris. Elle a fait l'histoire d'histoire à l'Université de Paris 4, la Sorbonne. Et entre 1991 à 1995, elle était employée comme éditrice dans la maison Belser à Stuttgart, qui est spécialisée dans la publication des livres de culture et d'histoire de l'art. Depuis 1995, elle a travaillé comme indépendante. Elle est mariée à deux enfants. Alors, ses publications étant effectivement de l'essai à la prose, au poème, dans différents journaux littéraires, almanachs, et puis aussi des livres, entre autres des livres qui s'appellent Schriftlings. C'est une façon de prose, de courte prose. Tankstellengedichte, vraiment des poèmes. Von Blumenmalern und Rosentauchern, très poétique. Gegenzauber, drei Zeilen. J'aimerais bien prier Susanna d'y venir ici et puis lire ces poèmes. Merci. Merci de l'introduction et surtout merci au CERN pour l'invitation. On était trois poètes, tous des femmes. Ça va très bien avec votre organisation. On était invités en juin au CERN et on a passé 4 jours. On a eu des entretiens avec des scientifiques et on a vu plusieurs lieux au CERN. Et notre devoir était d'écrire des poèmes là-dessus. Et merci de l'organisation, Susanna Davon, notamment. Alors, j'ai écrit un poème sur différents lieux. On a vu au CERN. Et je vais lire la première partie qui est consacrée au le bâtiment numéro 4 au CERN. C'est le Theory Division. Il y a là les physicistes, scientifiques, théoriques et les cosmologues. Et le titre de tous les poèmes, c'est le Meeting des cosmologues. Je vais lire en allemand et vous... D'accord. Vier Espresso-Maschinen als Acceleratoren. Eine schwarze Tafel als Detektor. Die Köpfe der Kosmologen, die Database. 2 Zimmerpflanzen, C, gut wasserspeichernd.
Jeder hat im Englischen einen eigenen Akzent. Ich mit deutschem Akzent und Ohr verstehe einige Male statt Theorists Terrorists. Und statt Background Bhagwan oder Bagram. Der kosmische Hintergrund als eine Mischung aus großer Weisheit und Militärgefängnis. Ein Wissenschaftler zeichnet Pfeile, beschriftet einen Strich mit T gleich Zeit, zögert einen Moment, in welche Richtung ganz nebenbei verläuft doch gleich die Zeit. Alles ist möglich, auch dass wir im Rückstoß zappeln eines früheren Universums. Die Theoretiker unter den Physikern sind die größten Abenteurer. Durchzogen von Neutrino-Schauern, gebadet in undurchdringlicher, dunkler Materie, kehren sie zurück in ihre engen Büros mit wandgroßen schwarzen Tafeln, kleinen Bildschirmen, winzigen Fotos aus dem übrigen Leben. J'ai déjà mentionné les tableaux noirs. Parce que j'étais, mon deuxième poème sera sur les tableaux noirs au CERN, parce que j'étais vraiment étonnée que c'était un lieu de la recherche très moderne, de l'avant-garde de la recherche. Mais quand même, on a partout, on voit les tableaux noirs comme les anciens styles. Et quelqu'un m'a dit que pour lui, c'est plus inspirant d'avoir ce tableau, la craie, et pas les tableaux blancs. Alors mon poème est titulé Tafelanschrieb. Hier ist es immer noch die schwarze Tafel, die bröselige weiße Kreide, der Schwamm. Die Schiefertafel der Grundschule, wie man im Deutschen sagt, wo die Grundlagen gelegt werden. Oder die Elemente gelehrt. Elementary School, Scuola Elementare, École Elementaire. Projektionsfläche für das Nachdenken. Wenige bekannte Tatsachen, einige Gesetze, viele Theorien. Weiß auf Schwarz werden die Hypothesen entwickelt. Und der dunkle Hintergrund bleibt immer dominierend. Trocken verwischte Kreide bildet großflächige Wolken subjektiver Verunreinigung. Mit viel Wasser kehrt man zurück zum klaren Schwarz, bereit für ein neues Modell des Big Bang. Nein, für die Gluon-Plasma-Schöpfungssuppe im Tick eine Sekunde danach. Ici, il y a encore une continuation, mais c'est pas traduit. Je sais pas. Je peux le lire en français. Non, mais je peux expliquer parce que j'ai cherché dans l'internet Albert Einstein devant tableau noir. Il y a trois photos. Il y a la plus jeune, la plus ancienne. On le voit devant un tableau noir et en arrière-plan un cercle. C'est un petit cercle rond. Alors il est très heureux, il a trouvé une solution. Et là, le deuxième, on le voit de côté, le tableau noir est couvert de calculations. C'est au milieu. Et la dernière, que temporellement la plus récente, que j'ai trouvée. Et c'est très connu, il écrit une calculation, équation, il se tourne vers le public, et il met un point d'interrogation. C'était la dernière photo devant un tableau noir. Okay.
Mesdames et messieurs, on arrive à notre dernier point qui sera la discussion avec les intervenants. J'aimerais bien prier M. Gao, M. Bertolucci et Mme D'Agostini sur scène, s'il vous plaît. Et bien sûr, M. Tsufret. C'est le moment à vous, messieurs, dames. Vous avez le droit, d'après que vous avez entendu tous ces poèmes, de poser des questions aux auteurs et de demander des explications de tout ce que vous n'avez pas encore compris ou qui vous intéresse spécialement. Peut-être pour faciliter votre tâche, je commence avec une question que j'aimerais bien poser à tous les, disons, aux auteurs. Vous êtes aussi auteur, M. Bertolucci. Comment est-ce qu'on fait, comment vous êtes arrivé à inclure, disons, la science dans vos œuvres littéraires? Parce que c'est quand même pas la chose qui vient au, vient qui vient au cerveau, quand on, la première chose quand on pense. Comment vous êtes arrivé à faire cela, s'il vous plaît? Well, we did not do that. They did it. Yeah. So, first of all, the whole idea is that CERN is a place where we like just to is the basis of CERN. Different cultures does not only mean different nationalities, means different type of regard of the reality. So it's a place where we like, and we started a few years ago, just to have artists coming in and just tell us what they see. Because, you know, after all, as I was trying just to explain before, it's all a matter of making the best of different type of gaze, how you look at things. And artists, from this point of view, are fantastic, because it was strange just to explain, they are more courageous than physicists. The physicists make large bunches, you get a lot of courage when you're working with 1,000 people. And in this case, we have had very nice result, just seeing, for instance, how you can describe Big Bang by a choreography. How you can describe the events, the beautiful symmetries that are coming out in music. And there are people who are at the same time scientists and artists. And so, and we have, you know, in there is a scene in this moment about, all in all, almost slightly more than 15,000 people working there. And you have all the possible things. So experiment every year. They produce a CD that they sell then for charity and things like that, in which the people of the experiment all play. And they go from a wild rock guitar to very refined soloist of classical instrument. And it's beautiful. It has just to do with the fact that going beyond the obvious is the name of the game in arts and in science. So we feel at ease. Thank you so much. Monsieur Gao, may I ask your experience of how you came from not to include science? Science was not the first thing, probably, but how did you manage, or how did you come to the point that you included science into your poems? C'est en anglais de nouveau. Oui, ça c'est toujours une recherche de la vérité. Voilà. Et avec bon vocabulaire, se cherche ce réel. Voilà, c'est comme le scientifique. Ouais. C'est pas, on écrit n'importe quoi. Moi, je suis pas d'accord. Voilà, ça c'est
la littérature, c'est une pure imagination. On peut écrire n'importe quoi. Non. La littérature et l'art, il y a une valeur, une vraie valeur humaine, parce que si ça touche profondément la nature humaine et cette difficulté existentielle humaine, si ça touche toutes ces complexités. C'est pourquoi, dans ce cas-là, il y a aussi pour nous, artistes ou bien écrivains, comme les scientifiques, une valeur, une critère. Ce n'est pas par la technologie, voilà, on peut tester, mais c'est aussi une conscience, une exigence pour l'artiste eux-mêmes. Voilà, si ça vaut la peine de faire, voilà, ça c'est si ça peut résister au temps, si ça peut durable, ça peut lire ultérieurement. Voilà, ça c'est si on a cette exigence-là, on a toujours, comme le scientifique, voilà, ça doit être valable, pas seulement une simple imagination de l'artiste ou bien une caprice. Merci beaucoup. Alors, mesdames, c'est à vous. Moi, je n'ai pas peur de la physique parce que mon père était physicien. Et ma fille va faire les mathématiques. Et j'aime beaucoup lire les articles et j'aime beaucoup les films sur art, surtout sur cosmologie et tout ça. D'abord, je me suis demandé pourquoi il invite nous, les poètes, au CERN. Parce que quand j'ai commencé à m'occuper de toute la matière, j'ai déjà pensé que la matière sombre, c'est poésie. C'est assez de poésie. Alors, il y a beaucoup de matière pour nous. J'ai toujours aimé la physique, mais this idea of match. Poetry and physics, it's really interesting. Just because the secretary of UNESCO said that the poetry teach us the way to be the way for tolerance, and so the way this is the best way to express different values, but also general universal values, and so it was really an interesting idea. So I say thank you to CERN, thank you to the organization, and. Because it was a lesson for me to understand the reality in another way. Thank you. Merci. Une question pour Gao Xingjian. Ma question c'est, comme Européenne, on a des grandes difficultés souvent à comprendre l'art chinois. Et donc ma question c'est, est-ce que l'art, l'esthétique, la beauté, c'est universel ou c'est culturel? Et j'aimerais aussi que vous fassiez une comparaison avec la science, que c'est, la compréhension de la science c'est universel, mais il faut une culture pour la comprendre. Merci pour cette question très facile. Non. Je n'ai pas bien saisi la question. Si j'ai bien compris, elle voulait savoir si l'art chinoise ou dans l'art en général, ah oui, il en a des principes
principe universel, c'est correct. Au culturel, oui. Oui. Oui, chaque culture a une expression relativement particulière. Par exemple, l'art chinois, bien sûr, il y a un fond historique. Alors, pour comprendre, sentir, par exemple, pour l'encre de Chine, il faut connaître. Tout cela, ça vient de la calligraphie. C'est une création des lettres. Ce n'est pas purement pictural. Si on comprend ça, oui, on peut sentir mieux. Mais si on voit chose au-delà de ça, il y a quand même quelque chose communicable. Voilà. C'est pourquoi il y a un côté difficile à comprendre, à sentir, à partager. Mais fondamentalement, si c'est vraiment l'art écrit, fait par les êtres humains, ça dépasse quand même cette culture, ça dépasse les frontières, ça dépasse un fond historique très particulier. C'est pourquoi on peut devant les fresques paléo, ça c'est paléo. Ça dépend. Ancien. Primitif. Voilà, devant tous ces patrimoines de multiples nationalités, mais on admire. Mais la façon de l'admirer, c'est assez différent. Si on est de cette nationalité, on connaît bien cette culture-là, il peut apprendre ou bien inspirer, apprécier, voilà, encore plus, voilà, à sa façon. Mais si on ne comprend pas ça, quand même, on est face devant même une ruine dans le grand désert. On ne sait pas qui a créé ça, mais c'est fascinant parce que ça le trace de création humaine. Voilà, il y a ce beauté-là. Voilà, c'est l'esthétique, c'est beauté, et c'est esthétique sur le beau, ce sens du beau, c'est unimexellement communicable. Merci beaucoup. D'autres... voilà. Peut-être avec madame, on commence, et puis madame et monsieur. Ici, effacez le micro, s'il vous plaît. J'ai une question et un commentaire pour tous. La question posée avant, je suis anthropologue, alors je ne peux pas ne pas la poser. L'interface entre art, science, poésie, etc., très important, sciences naturelles, sciences sociales. On est en train de discuter aussi l'interface entre science et culture. Et là, je me pose une question anthropologique, parce que... aussi, on a parlé de la Chine. Philippe Descola, le grand successeur de Claude Lévi-Strauss, a posé qu'il y a dans toute l'humanité peut être divisée selon quatre lois, disons cosmologiques, façon de comprendre la relation des humains par rapport à la vie, à la planète et au reste du cosmos et de l'univers. Et il a dit trois des cultures africaines, européennes, etc. Chine, disons, trois des quatre considèrent les humains qui font partie de l'univers, du cosmos. Ça, c'est vu dans quelques poèmes. Et il n'y a que la culture occidentale, à partir du moment où il y a eu la science de l'âge des Lumières, Enlightenment, Rationality, 18e siècle et ça avance, où on a séparé, on a dit, j'interroge la nature, j'interroge le cosmos, il y a le cerveau, les humains, sans Dieu dans l'équation, qui étudie le cosmos, l'univers, le sens de cette évolution, l'origine et l'évolution du cosmos, y inclut jusqu'à la planète, la vie et les humains, et le sens de tout ça, mais surtout comprendre les lois. Alors je veux réintroduire, je n'avais jamais pensé à ça, parce que je me suis toujours dit, oui, la science a son histoire particulière, mais il y a 10 000 cultures dans le monde, et il y a 8 000 langues. Et
Si on réintroduit dans cette hybridité, cette interface, en faisant très attention, comme Abdus Salam l'a fait quand il a gagné le prix Nobel en étant islamique, etc., mais surtout en étant scientifique occidental rationaliste, si on introduit de nouveau des regards d'autres cultures non occidentales, et je pense surtout à la Chine en ce moment-là, ce que vous faites avec la peinture et la littérature, peut-être part of the paradigm break, ou ce, disons, c'est pas seulement le Higgs boson, mais il faut vraiment penser d'une autre façon. Et ça va venir pas seulement de la science, mais de la science avec des, la force de certaines cultures, sans tomber dans le culturalisme. Je dis ça, alors je ne sais pas si ça retombe ou pas dans ce qu'on est en train de dire, ou est-ce que la science n'est qu'un projet occidental et ça maintient la rationalité jusqu'à la fin et la culture, les cultures humaines. Il n'y a que la culture de la science qui existe. Quelqu'un répondre à cette remarque? Each one of these questions could be a good thing for a month meeting, but thank you for the question. No, I don't think that science is a heritage of the Western culture. We have been successful lately, so in the last some time, and we have made use of it. Science and the use of science are two different things. I think that there is a misconception about the fact that it's so different. Science, in our perception, is not the looking for the truth with the capital T. We are looking for the next reasonable doubt. So, and in this way, we don't mix with, for instance, with religions. Religions are, by definition, a thing based on truth. No? Either you believe or you don't believe. If you believe, you don't question. I mean, as long as you believe. So it's a thing that it is a totally different process. And this process, in this process lies the power of science. Because where there is the doubt, there is liberty. Latins were saying, ubi dubium, ibi libertas. And this is fundamental. And that's why at CERN, in this moment, we have zillions of people of different religions. And I must tell you, they have a lot of, sometimes, of very frank discussion about dark matter. But there are no discussion about the truth, the capital T. So we never had a religious conflict. So I think that this fact that we should see that all in all, that we should be humble, because we are a small perturbation on a long history. You know, mankind, in the best situation as it is now, is deemed just to disappear when the sun will become a giant red and will swallow the earth. This is our maximum. It's still not tomorrow, but I mean, it will not last forever, unless we are going beyond imagination and we can travel in space and time. Who knows? Science is about the next reasonable doubt. We have two more questions. Do we have time? Oui, oui, on a encore un petit peu de temps. On a encore un peu. Alors, oui, il y avait une question. Vous pourrez passer le micro. C'est bon? Monsieur, merci. Et puis, là-haut, voilà. Je voulais revenir sur le dernier poème que nous avons entendu, parce que je l'ai trouvé éclairant, votre poème de la fin. Celui où vous évoquez, est-ce qu'on entend ? Celui où vous évoquez le tableau noir. Parce que lorsqu'on veut rapprocher la science de l'art et de la poésie, on le fait souvent en termes très abstraits, et souvent très généraux. Et là, il me semble qu'il y avait une proposition prometteuse qui est de le faire par les techniques, les gestes, les pratiques dans lesquelles on cherche, comme on l'entendait, à se rapprocher du réel et peut-être aussi à créer une nouvelle réalité. Et vous suggériez dans votre poème qu'au fond, cette apparition, ces marques qu'on pose sur une surface, c'était aussi une sorte de création de l'univers, une sorte de recréation de l'univers.
Et on pourrait le rapprocher aisément, ce sont des marques posées sur une surface en blanc sur noir, chez vous en noir sur blanc. Dans un cas, l'eau sert à effacer pour recommencer. Dans l'autre, l'eau est indispensable pour obtenir une pluralité de valeurs. Mais on est dans des techniques qui ne sont pas si éloignées. Alors ma question s'adresse tout d'abord à Sergio Bertolucci. Je ne sais pas si vous employez vous-même encore le tableau noir. Mais pourquoi le tableau noir? Puisque vous avez des instruments beaucoup plus coûteux, beaucoup plus grands et beaucoup plus impressionnants. Pourquoi le tableau noir? Theorists are extremely spoiled. They like just to be elegant. If you use the last technology thing, they use last technology things, and tell the theorists now just to try just to calculate their things with, you know, the, but it's very elegant. Because the blackboard exposes to you, to your ignorance. If you use a tablet, you don't remember one thing. You sneak into Wikipedia or someplace and pull it out. If you are in the front of a blackboard and you have just to write the thing and say, it makes you honest. That's why blackboard. And I think that this is the reason why we are using it. And then there is the gesture, and there is the elegance of what you write. Most of these people have an incredibly bad calligraphy. And that makes it even more interesting, because you don't understand the idea, you don't understand the calligraphy, you can always pretend that you don't understand the calligraphy, which is very good. And then the fact is that they like continuity. Because, you know, science has another very important thing which makes it different from art. Science, we call them a revolution in science. The revolution in science are not like the revolution elsewhere. Revolution in science don't destroy what was before. They incorporate and enlarge. And blackboard is part of our heritage, because by being there, I said, well, after all, I'm trying just to incorporate the idea of the giants of Einstein and things like that. It makes us the continuity. We like it. We are romantic, after all. Would you please? It's a pity. I don't know. It's okay. I don't know all your works as an author. And 2 weeks ago, I went to Bruxelles. And in the Royal Museum of Fine Arts, I saw your painting. Because that day, I will visit 4 museums at one day. You know, I only stay in the room for 10 minutes or 15 minutes. But I have some questions. Because when I saw that, at first I thought it's a bit like traditional Chinese painting. And at the beginning, you know, in China, we use Chinese traditional paper, or we use silk. But when I look closely, I find you use canvas. I think why you are, so the first question is why you use canvas? I mean, if you change material, of course, you need to change all the skills, you need to find that be a lot of works, you need to try for that. But why you don't continue to use Chinese traditional paper? Why you select the canvas? This is the first question. Another question is, when I saw this, I find you only use white and black. If you go back to the Chinese traditional painting, of course, majority, they are black and white. But we have still have quite a lot, they're colorful. You also mentioned you have learned oil painting, but why your painting, you only use white and black? Thank you. Voilà, je ne sais pas ça, c'est quel tableau vous avez vu. Il n'y a pas de bougie. Il n'y a que l'encre. Mais l'encre sur toile. Ça, c'est des géants série au Musée Royal des Beaux-Arts, tout récemment.
voilà, c'est ouvert. Et maintenant, c'est en permanence dans une très belle salle, tout à fait blanc. Voilà. Et c'est une, plutôt une conception proposée par le directeur des musées royaux. C'est un grand ami. Voilà, il a déjà 10 ans avant, il a déjà organisé une première rétrospective au musée des Beaux-Arts à Mons, en Belgique. Et après, 10 ans après, on devrait faire quelque chose encore plus grand. Alors, nous, notre musée royal des Beaux-Arts vous donne cette belle salle, c'est à vous à créer une série monumentale. Voilà, c'est pourquoi ça s'explique cette série de tableaux que vous avez vus. Mais il n'y a pas de bougie. Il n'y a que le toile traditionnelle occidentale avec l'encre. Il n'y a que l'encre, il n'y a pas d'autre matière. Il n'y a que l'encre traditionnelle chinoise. Voilà. Mais ce n'est pas une seule fabrication d'un seul encre. Puisque j'ai une expérience d'utiliser une palette des couleurs, si j'utilise l'encre, voilà, combien de l'encre j'ai utilisé? Il y a 1000 types sortes de l'encre fabriquées en Chine continentale, à Taïwan, en Japon, en Corée du Sud. Voilà, parce que je suis allé là-bas, invité là-bas, je collectionne tout genre de l'encre, parce que la qualité est différente, les tons sont différents, et la matière, principalement, c'est presque pareil, mais le pourcentage, voilà, les cordes, c'est, voilà, c'est pourquoi dans mes encres, c'est pas seulement noir, ça crée cette richesse tellement, si on utilise seulement l'encre d'une telle marque, on n'y arrive pas. Voilà, j'ai une collection très très riche de l'encre, même de l'encre une centaine d'années peut-être, voilà, de l'ancienne encre, ou bien un produit tout à fait récent. Voilà ça. Et pourquoi seulement noir et blanc? Voilà, ça c'est pourquoi noir et blanc. Puisque c'est l'encre traditionnelle, c'est noir et blanc. Et ici, on introduit une couleur, non. J'ai déjà l'expérience, mais une couleur, ça ne s'accroche pas. Voilà. Puis ça, c'est. Mais de toute façon, la création artistique, ça doit. Il y a un style, il y a une esthétique très recherchée, comme la science. J'ai très apprécié ces jours-ci la discussion avec ces amis scientifiques. Ils ont dit, équation doit être, il y a un esthétique. C'est pas n'importe quoi. Voilà, il faut très simple, le plus simple possible, parce que le plus essentiel possible. C'est pas, on cherche la complication de ce genre d'équation. Oui, c'est la formule d'Einstein. Très simple, mais c'est l'essentiel, c'est universel, c'est éternel, voilà. Parce que c'est testé déjà. Bon, alors si on utilise une matière artiste, voilà, utiliser ces matières-là, on ne peut pas mélanger n'importe quoi. Moi, ça, ce n'est pas bon coup. Je dois utiliser une sorte de matière, mais tellement bien étudiée et variée, une expression tellement subtile, riche, expressive. Voilà, c'est pourquoi je m'adresse, après mes expériences des couleurs, cette recherche de noir et blanc. Mais ce n'est pas simplement noir et blanc. Merci beaucoup. Merci beaucoup.